voit bien que c'est des joueurs qui font partie des meilleurs joueurs en France, bien sûr, et pour certains, même dans le monde. Donc voilà, c'est un défi de taille qui nous attend. Après, personnellement, je suis très content de rencontrer à nouveau le Stade Toulousain. Malheureusement, ça sera encore une fois huis clos, et ça, c'est... Moi, je ne suis pas Benoît Paire, hein, mais c'est quand même, je le soutiens dans le sens où c'est catastrophique. C'est un derby, même si, sans les supporters, c'est un derby avec un D normal et pas un D majuscule. Voilà, on va dire. Il faut qu'on joue vraiment pour plus que nous, quoi. Voilà. Il y a beaucoup, beaucoup d'agents qui attendent de ce match, et il faut qu'on essaye de rendre fiers à tous les castrés. C'est une équipe qui est au top niveau, et puis il y a notre équipe qui a connu un début de saison très compliqué, et puis qui essaye de se battre, de se relever, et puis voilà. Même si on a une bonne dynamique dernièrement, on est clairement pour l'instant pas au niveau de Toulouse, hein. Faut pas se mentir. Mais bon, sur un match, tout est possible. Donc c'est ça la beauté du sport. Et il faut faire le match parfait. Après, le match parfait, c'est autant défensivement qu'offensivement, que dans le domaine de la conquête et de la discipline, bien sûr. Voilà, je pense que c'est si on n'ose pas le niveau de chacun, ça va être extrêmement difficile samedi. Mais bon, c'est un bon match à préparer aussi, parce que je dirais qu'on a rien à perdre samedi. C'est toujours spécial pour nous de jouer contre Toulouse face à ces grands joueurs. Donc voilà, encore cette année, ils sont demi-finalistes de Coupe d'Europe. Donc j'ai envie de dire, on sait à quoi s'attendre, quoi. On va rencontrer une très grosse équipe de Toulouse. Voilà, on est enthousiaste et impatient d'être à samedi pour jouer ce gros match.